Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier anticapitaliste et candidat à la présidentielle. Un ouvrier, pas un politicien professionnel. Ils disent que c'est bizarre un ouvrier candidat. Ils disent même que je ne devrais pas être là. La politique, c'est du sérieux. C'est pas fait pour des gens comme toi. Être candidat, c'est un métier. Laisse donc les pros s'en occuper. Alors ils disent, votez utile. Ils doivent penser que si on ne vote pas comme ils veulent, on est inutile. Alors ils disent, votez pour moi et je m'occupe de tout, comme s'ils ne nous avaient pas déjà fait le coup. Le résultat, on le connaît. Toujours plus de guerre, de chômage, de misère, de discrimination. Ils détruisent nos vies, ils détruisent la planète. Ils ne pensent que profit et exploitation. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on en finisse avec un système qui marche sur la tête. Et pour y arriver, il faut qu'on se débarrasse de ces gens qui ne sont pas légitimes pour gouverner. C'est nous qui devons décider comment fonctionne la société. En retirant le pouvoir aux actionnaires, aux banques, à leurs représentants au gouvernement. En partageant le temps de travail, en interdisant les licenciements, en embauchant dans les services publics. En pensant aux besoins de tous, pas au profit de quelques-uns. On ne va pas se mentir, ce n'est pas l'élection d'un président qui va changer nos vies. Mais cela ne veut pas dire que lors des élections, on doit se résigner, voter pour le moins pire. Au contraire, il faut voter pour l'un d'entre nous, pour qu'il comprenne que nous, les millions qui faisons fonctionner les écoles, les usines, les hôpitaux, toute la société, refusons de baisser la tête et voulons faire entendre notre voix. Pour qu'il comprenne qu'après les élections, on ne va pas s'arrêter.